Salut tout le monde! C'est de pire en pire. Donc je m'excuse, j'ai pas fait du tout pendant 3 jours, mais j'ai zappé. Je sais, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça me paraît énorme. Donc voilà. Mais aujourd'hui, on va parler des petites astuces que je vous donne pour garder vos sous, pour faire des petites affaires, tout ça. Perso. Alors, premier. Alors, il y a une application qui s'appelle Cute. Je vous montre rien de ces jours. Alors, C-U-T-E. Voilà, il y a une lèvre entourée d'un C pour dire cute. Donc voilà, vous avez tout à 50 fois, mon cher. Les Anastasia Beverly, il y en a un qui coûte 130 euros sur Amazon. Ça coûte 2 euros. Mais je fais pas trop commande pour ça. Alors, il y a les rouges à lèvres que je vous ai parlé en mangeant mon maquillage. Là, les mattes que j'avais là. Les long lasting, je sais plus comment ça s'appelle. Je les ai eu pour 9-10 euros. Je vous dirai une prochaine fois. Et j'ai commandé. Donc, pour vraiment pas cher, hein, ça coûte beaucoup plus cher. J'en ai eu 12. Et j'ai commandé des lime crime. Ça va être mes 12 premiers lime crime. Alors pourquoi 12? Vous allez dire, et t'as payé au moins 200 euros? Je sais pas trop, parce que voilà. Et encore, ça me coûte au moins dans une vingtaine d'euros, une trentaine. Je sais pas trop, mais bon, voilà quoi. Eh bien, non. Ah bon? Eh ben ouais. Alors, 12 lime crime pour 15,5 euros. Waouh! 12 lime crime pour 15,5 euros. 15 euros et 5 centimes. C'est comme ça parce que j'ai pas l'habitude de faire tout comme ça. Beaucoup de gens qui le disent. Mais bon, on va garder notre habitude. Voilà, 15 euros et 5 centimes. Waouh! Waouh! Affaire majestique. Alors je ne les ai pas encore. Quand je les reçois, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur ces rouges à lèvres, sur ces lips, sur ces velvet mats. Ah, donc voilà, je vous dirai tout. Ce sera mes premiers 12 premiers. On commence tous avec un. Et ben non. Et je les ai eu pour moins cher qu'un. Hein. Je les ai eu pour beaucoup moins cher qu'un seul. Oh, mais compte! Waouh, ici, mais. Donc voilà, franchement, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que au lieu de trouver le truc de vos rêves à au moins 50 euros, vous mettez dans le panier du site. Vous allez voir sur un autre site pour voir si vous trouvez la chose moins chère. Si oui, vous prenez. Sinon, cherchez encore. Et si vous ne trouvez pas du tout. Vous prenez le truc à 50 d'euros ou je sais pas. Ou alors, si vous avez trouvé des trucs qui vous plaisent, vous les mettez dans votre panier. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets plein. Et après, je vide pour trouver celui qui me plaît. Vraiment, je compare. Voilà. Je compare sur le même site. Je compare les articles et franchement, ça économise beaucoup. J'ai 12 lingues pour moins cher qu'un seul. Merci Amazon. Je tiens à faire une annonce pour tous ces petits lutins qui vous prennent un chouchou, vos chouchous, une chaussette sur deux. Et maintenant vous me prenez ça. The what? Ah non, c'est là. Désolé les lutins. Je me fais tabasser par les lutins. Donc voilà, pour vous dire que vous pouvez trouver moins cher sur quand vous cherchez. Moi je sais que j'étais comme ça. Les jours où j'ai trouvé un truc qui me plaisait. Oh mon dieu, c'est le truc qui me plaisait. Mais ma chérie, tu peux comparer sur des sites? Jamais. Bon, bah j'ai fait une gaffe. Voilà, pour moi, ça s'est passé comme ça. Et après, je me suis dit, mais elle a raison. Pour économiser. Donc voilà. Alors après, moi je sais que je suis une folle alliée des fois. Je prends des produits, je fais, ah ça c'est génial.
final, des fois, c'est pourri. Mais ça dépend. Ça dépend. Et du coup, maintenant, je regarde les avis quand même, hein. Oh mon Dieu. Et là, une fois, j'ai regardé des swatchs, des revues, des dupes pour voir si on pouvait pas trouver moins cher. Mon Dieu, j'ai trop hâte de les avoir. J'ai trop hâte, hâte, hâte. En plus, j'ai eu pour moins cher qu'un seul line quoi, Emma. Faudrait que je m'enferme dans une pièce où il n'y a pas de bruit sonore. Ça serait mieux. Donc voilà, et ça fout pour tous les produits, hein. Pour du maquillage, pour des vêtements, pour des soins, pour des jeux. Moi, je sais que il n'y a pas longtemps, j'ai commandé un petit bain pour hamster, pour ma petite Bélouille. J'ai commandé plein de petites choses. Et j'ai mis plein de choses dans le panier. Et j'ai vidé pour voir la moins chère. Et j'ai réussi. Franchement, cherchez, cherchez, cherchez. Ah oui, et videz un peu votre maquillage. Moi, je n'ai pas grand-chose à vider en fait. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Vous devez être dégoûté que je vous dise ça aussi. Je crois qu'on va avoir un petit éclairage. Mais je me suis pété deux points noirs. Enfin, j'ai pété celui-là et l'autre. Voilà. Donc, aucun commentaire sur ça, quoi. On dirait qu'un vampire m'a mordu. C'est un mini vampire. Donc voilà pour ces petites astuces que tout le monde doit connaître, mais c'est pas grave. Ah oui, ça c'est très important. Tous les produits chers, tout le monde veut en avoir parce que les produits chers, c'est magique parce que tu transportes la marque avec toi. Nars, Guerlain, Dior, Mac, tout ça. Mais en fait, on peut trouver mieux et en 400 fois moins cher. Il y avait un fard à paupières qui m'avait coûté au moins 15 euros. Vous avez bien entendu. Et je me trouvais un autre à 1,50 euros. Il marchait 1 000 fois mieux que l'autre. À l'autre, je l'ai mis dans un tiroir. Tiroir à maquillage. Hein. Il n'est pas ressorti. Power, girl, power. Donc voilà, franchement, c'est ces petites astuces que moi je vous recommande parce que beaucoup de gens se font avoir et ne jetez pas ce que vous pouvez encore vous servir. Surtout, ne jetez pas ce que vous pouvez encore vous servir. Et encore très important, ne dépensez pas tout d'un coup. Ne dépensez pas tout d'un coup. Moi, je sais qu'un jour j'ai fait une grosse bêtise, j'avais beaucoup d'argent, j'ai tout dépensé d'un coup pour un truc, et ça, je m'en sers plus. Je m'en sers plus, pratiquement plus. Donc voilà. Pour tout ça pour dire, soyez sûr de votre passion. Cette passion, dites, cette passion, je le répands longtemps. Je ne l'abandonnerai pas. Moi, au début, j'étais fan de nail art, donc vernis, tout ça. Je suis encore fan, hein, mais moi, comme il y a plein de trucs que j'utilise pas, comme secouer les fesses, maquillage, c'est ma passion. Je ne l'abandonnerai pas, je ne l'abandonnerai pas. Aucun commentaire. Je sais, je dis toujours aucun commentaire, je sais pas, je le dis jamais. Je sais, c'est pire en pire. Mon Dieu, j'en ai pas. Ah oui, et les choses les plus chères, c'est les fonds de teint. Mon Dieu, un fond de teint peut coûter au plus de 200 euros. Oui, alors un rouge à lèvres peut coûter plus de 100 euros. Voilà. Donc voilà, je me demande ce que je vais dire en regardant cette vidéo, en la montant. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous et on se dit dans une prochaine vidéo. Bisous. Ce sera sûrement demain. Ou pas. Bon, au revoir.